Bonjour tout le monde, c'est Rix Project et on se retrouve pour la suite de nos petites vidéos Transport Fjord 2 et j'ai des idées. Enfin, voilà, ça c'est marrant, ça s'est débloqué, je suis resté 2 minutes devant l'écran à me dire alors qu'est-ce que je pourrais faire, où est-ce qu'il y a des trucs qui se goupillent, Daddy Deloum, voyons un peu ça. Et aujourd'hui on va faire peut-être de l'île, peut-être. Ça dépendra du temps que ça va me prendre. On va gérer la ligne qui va d'Issoir jusque jusque Saint-Laurent du Var d'une part et jusque Châtenay Malabry de l'autre. Pour la simple bonne raison que je vais séparer cette ligne-ci qui était une ligne IC, je vais en faire la ligne express. Et je vais mettre une ligne IC qui passe en parallèle donc de la ligne Omnibus. Sauf que, vu que les vitesses ne seront pas les mêmes, je vais devoir un peu traficoter. Voilà, voilà, c'est juste ça, c'est aussi simple que ça. Et si ça me prend pas trop de temps, je vais faire ici la liaison pour qu'il y ait quand même du pain qui soit apporté au moulin. Amener du pain au moulin, haha, humour. Je viens de voir qu'il y a de la pierre ici, donc pour faire des briques, il y a peut-être moyen. Mais faudrait les emmener... Ouais. On va peut-être aller par là et compagnie, c'est tout ça. Et ici, si j'ai besoin de plus de céréales, il y en a un qui est juste ici. Donc ça suffira que je fasse un petit... Je fais juste un camion, hein, et ça va tout seul. Bref. Maintenant, donc, on va mettre en pause parce que j'allais devoir travailler ici. Alors, première chose à faire, on a donc c'est comme ceci, je vais devoir chipoter. De toute façon, les gares, je les moderniserai à un moment donné. Donc, par définition, c'est pas grave si c'est un peu... Alors, la longueur par contre elle est pas ouf. Hein. Donc tant qu'à faire, je vais l'allonger d'un cran. Ok, 760. Oui, c'est pas les mêmes, mais je m'en fous aussi. Comme j'ai dit, hein, on les changera. Divers, etc. On va laisser comme ça. Donc cette gare-ci, c'est fait. L'omnibus faudra le renommer, mais ce sera plus tard. Alors, comment on va goupiller ça? L'idée, elle est simple. Déjà, l'idée, ça va être de regarder ce qu'on va mettre, parce que l'omnibus, on va le changer aussi. Pas aujourd'hui, hein, mais on le changera. Parce qu'il y a du neuf. J'ai dit, hein, 1940, on fera une modernisation, et je sais plus quand la loco que j'attends sort... Mais quand elle sort, plutôt que de moderniser, si elle sort à la même période, ce sera d'abord une ligne lourde de transport de fret. Parce qu'en plus, j'ai besoin de sous. Alors, pour un omnibus, pour un intercity, vapeur, ça va encore. Il y a quoi comme vapeur qui soit bien? On a celles-ci qui font du 120. Alors 145... 130, de toute façon, voilà, la Nord, c'est celle que je vais utiliser. Ça, c'est celle que je vais utiliser pour la ligne Express. Pour l'Express d'un côté, parce que l'Express, il y en aura deux, mais je ferai le second un peu plus tard. Alors, celle-ci, c'est combien? C'est 112. C'est pas mal. Sinon, c'est 145. Les lignes express, faudra que je les limite. Alors, pour l'Intercity, une qui fait du 110, c'est pas une mauvaise idée. La case 38, ah, elle fait du 100. Y a pas un peu plus puissant? Il y a celle-ci à 120, mais 120, c'est un peu trop à mes yeux. Alors j'ai celle-ci qui fait du 120, ce que je pourrais mettre pour le kiff.
Mais attendez, je vais réfléchir une seconde parce que ça c'est une spéciale, c'est un train spécial que je voulais mettre et garder tout du long. Du coup, où est-ce que je pourrais le caser? Parce que 120, on peut en faire un simili express. Alors 120, je pense que Donzère. Ou alors Lunéville. Le faire aller Lunéville, Châtenay-Malabry ou Lunéville-Châteauroux. Ok, comme ça j'ai une petite idée. En diesel, on a quoi? On a que dalle, hein, on est d'accord. En électrique, par contre, on a donc la E18, dont je crois que j'ai deux exemplaires. La E77, ça c'est du transport de fret, je sais exactement où je vais la mettre. La Croco, elle est déjà posée. Celle-ci, j'en ai pas. Alors, c'est fou. La E91, chemin de fer bavarois. J'aime beaucoup cette loco. 55, c'est un peu long. La 47, peut-être que mettre la 47, c'est bien, mais. On a celle-ci qui fait 90, ce qui est sympa. On a la PRR 160, ce sera un express d'office, mais un peu plus tard. La E94, ce sera pour du transport de marchandises. Je pense que le mieux, ce serait une comme ceci. Une comme ceci pour les omnibus. Une E44 pour les omnibus, ça peut être bien, oui. Que ce serait bien donc ce qui fait que du coup je peux mettre ça pour un intercité à Nice, c'est un peu plus rapide à 10 km/h près. On va donc s'en occuper. Alors il me faut du sang traverse. Alors on va mettre des traverses en béton, tiens, vu qu'on va commencer à faire quelque chose un peu plus le caténaire. Oui, il m'en faut. Et là, le truc, ça va être de réussir. Bah, attention, hein. Le truc, ça va être de réussir à. Voilà. En fait. Je pense qu'on va les garder en bois pour l'instant. On va électrifier ici. On en a une là, donc ça c'est bon. On va prendre un rail. Voilà, le tout, c'est que. Ça se goupille comme ceci. Voilà, on va les mettre en voie extérieure de cette façon. Le point positif, c'est que en fait, le point positif, c'est qu'un train électrique, ça a de meilleures performances en ce qui concerne. Et hop. Ouais, non, je peux le laisser comme ça. On va juste avoir électrifié. Comme je disais, les trains électriques, ça a une meilleure performance en ce qui concerne l'accélération. C'est ça qui est bien. Voilà, et ici, on peut donc complètement
y aller. On va faire ça comme ça. On verra plus tard, dans le futur, on verra si on sait mettre un qui vont plus ou moins à la même vitesse, sans que ce soit un gros problème. Voilà. Je vais mettre l'électricité juste après. Tout devrait être électrifié, hein, donc enfin, pas tout, mais je veux dire, et à un moment donné où ce sera sûrement d'électrique partout sur cet endroit-là. Ah, il y a une usine qui va disparaître, peut-être pas plus mal. Ah, et c'est ici que va opérer la magie du cerveau qui va surchauffer. Parce que la ligne Intercity, là, je dois la laisser. Les autres, je dois les faire aller ici. Je vais faire passer par ici. Donc, il y en a un, ça va, ça passe là. Mais l'autre, faut littéralement lui faire traverser le truc. On va faire passer la loco, le train là, parce que je vois rien. Allez, la fumée, SVP, merci. En plus, il y en a un autre qui risque d'arriver. Voilà. On a ça ici, et on va. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Et en plus de ça. On électrifie ici, ici, ici et ici. Ce qui veut dire qu'on va devoir électrifier aussi par ici. Quoique, qu'est-ce que je fais moi? Attendez, 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 attendez. Donc jusqu'ici, on est ok. Ça, on va le garder. Donc l'Intercity. Ouais, c'est ici que l'Express, je dois faire une modif. Et il doit partir sur une voie parallèle à l'IC. Ok. Et donc, c'est ici que je dois. C'est ici que je vais devoir traficoter. Ça va pas être simple. Du tout. Ça va pas être simple du tout, mais je pense que le mieux c'est. On arrive ici. Ou alors attendez, en fait si, comme ça peut fonctionner. Il y a juste un tronçon où l'express et le lycée se côtoient. Ce qui veut dire que je vais moderniser légèrement ça. On va dire à partir d'ici, voilà. D'ailleurs, la vitesse, on va regarder. Voilà, comme ça. Ça, c'est bon.
Et ensuite, quand il quitte la gare ici, on peut repartir sur. On va le laisser aller comme ceci, et c'est ici que ça va. Donc celui-là devra être changé du coup. En partie. Parce que celui-là, on est d'accord, c'est lequel ça? C'est l'omnibus, on est d'accord, ça c'est un omnibus. On mettra un IC qui ira par là, mais ce sera plus tard. Et donc, on en a un ici, et on a un autre qui va jusqu'ici. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça devrait aller. Il va juste falloir que je vérifie. Voilà, déjà aussi désactiver cette merde qui était en plein milieu de l'écran. Qui reste en fait. Est-ce que je le garde ce mode? Enfin non, pourquoi je suis en train de faire une nouvelle? Pourquoi je suis en train de faire une nouvelle? Je suis con! Je suis con! En fait là je suis tout bon. Enfin, je suis tout bon, je suis débile. Je suis débile! La distraction, ça c'est la distraction. C'est la distraction. Voilà, on va donc juste récupérer ça. C'est vrai que l'express, je compte le faire autrement. Et pour le coup, je suis pas sûr de faire la ligne express aujourd'hui. Je vais voir. Ouais, d'accord que c'est. Oui, c'est lycée. C'est lycée qui arrivait ici. Bien. De l'électrification, là on est bien électrifié partout où ça en manque. Voilà. Normalement là il est beau. Là normalement c'est ok. Donc maintenant ce qu'il me faut, c'est la signalisation. Et ne pas oublier que ça roule à gauche. Signalisation. On va prendre ceci, il me semble très bien. Sens unique, oui, auto-sig, oui. On va les mettre à 500. Oh non, 600 mètres, ça reste bien. Quoique 500. Alors. Comme ça, il ne s'arrêtera pas de ce côté-ci. Ça, je vais devoir mettre des signaux supplémentaires pour ça. Faut qu'ils aient un avantage sur l'omnibus, c'est logique. Là, on est OK. Là on est ok. Et là on est ok. Oula. Donc maintenant il faut que je reprenne depuis le Kremlin Bicêtre. On le met là. Je peux savoir ce qu'elle fout là, cette merde. Nom de Dieu, mais ils prennent la ligne qui est pas faite pour eux. Bordel de chiottes. Miettes. Miettes. Je vais devoir m'en occuper, ça, mais c'est pas très dur, heureusement.
et ici. Non, qu'est-ce que je suis con? C'est pas encore le terminus. Voilà. Voilà, terminus par contre, il nous faut un. Alors. Uniquement celle qu'on voit, merci. C'est l'omnibus 1. On va faire quelques changements. Donc. Mais. Ah, punaise. Alors, depuis hier soir. Il ne s'agit pas vraiment d'ajouter une gare. Mais plutôt. Quoi ? Attendez. Il n'y a pas de signalisation dans un sens ? Are you fucking serious en fait là? Oh, Marcel de marcher nos ponts. Prendre ça, sens unique de 500 mètres, oui. Mais c'est une blague. Je changerai la signalisation aussi avec le. Je la ferai plus tard, ça. Hein. Pas d'inquiétude. Donc, omnibus, gestion de la ligne. Histoire, ajouter une gare. Tu passes par là, espèce d'enquiquineur. Tu passes par là. Non. C'est ta domaine. Tu passes par ici. Après Mongeron. Alors Mongeron, il reste dessus, c'est bien. Et t'arrives au Kremlin-Bicêtre. Après, quand tu repars du Kremlin-Bicêtre, tu passes par là. Attendez, parce que là j'ai l'impression que j'ai fait une connerie. Voilà, Écœur d'Orville, Saint-Laurent-du-Var, Écœur d'Orville, le Kremlin-Bicêtre. On passe par là. Puis on a Mongeron. On passe par là. Et ici on est bon. Voilà, merci, au revoir. Ça, c'est l'omnibus. Maintenant. On doit faire une nouvelle ligne. On part d'ici. On va partir sur la signalisation par ici. Par ici. Par ici. C'est un lycée qui fait pas beaucoup d'arrêts, je sais. Kremlin-Bicêtre. On va devoir partager ici. Est-ce que je le fais s'arrêter à Écœur-d'Orville quand même? Ça pourrait être une bonne idée. Donc on le fait s'arrêter là. Puis il s'arrête ici au bout. Et au retour. On s'arrête ici. On s'arrête ici. Mais. Il faut être sur le bon quai. C'est le quai numéro 3. Voilà. Ok, numéro 3. On passe par là. Et là, apparemment, il fait. Voilà. Il fait bien le trajet demandé. Et c'est nickel. Et donc, ça, ce sera lycée. Soir, Châtenay, pas Châtenay. Voilà, donc celui-là il est ok.
Maintenant, on va s'occuper de l'express qui, lui, par contre, a besoin d'un changement à partir d'ici. C'est ici qu'il va falloir le changer, l'express. Alors, on a dit que c'était du 130, hein. Donc on va le prendre en bois, on va le garder en bois. Pas de caténaire, merci. Alors, ça implique que je vais devoir faire des changements ici aussi, mais je les ferai plus tard. Ça un peu plus haut peut-être. Non. Pourquoi ça ne veut pas? J'ai une petite idée. Signalisation à la con. Ah. Ça me gonfle, oui. C'est bizarre, là ça est allé tout seul. C'est magique, dites donc. Incroyable, n'est-ce pas? Voilà. Et là, en parallèle les voies, oui, merci. Et donc on va couper sec. Enfin, couper. On va couper par ici. Et il faudra juste un quai supplémentaire à l'arrivée. On va dégager. On dégage ça parce qu'on en a pas besoin. Merci, au revoir. Je sais pas si j'utiliserai de toute façon cette industrie là. Je pense pas. On va essayer de suivre un petit peu quand même le dénivelé. J'entends par là de ne pas avoir trop de tranchées, je trouve ça moche en plus. D'ailleurs, on va tout de suite adoucir ça. Taille du pinceau, merci. Voilà, comme ça c'est quand même plus beau. On reprend ceci. Qu'est-ce que ça entre les deux? Il y a peut-être moyen que je mette une autoroute, tiens. Ce serait débile, mais ce serait marrant. Débile, mais drôle. Exactement. Alors, je peux mettre un tunnel, ça peut être cool. Excusez-moi. Avec ah, comme ça, moi j'aime bien ça. Je trouve que ce tunnel là a de la gueule. Oula, oula, tout doux, tout doux, tout doux le jeu, tout doux. Et donc là, on va doucement arriver du côté de la gare. Donc on va prendre du 100. Merci. Voilà. On va parallèle. Non, on les remet en standard.
va falloir que je voie un peu plus loin si je dois pas faire quelques changements de nouveau. On va faire une sauvegarde pour être sûr. Je préfère toujours une sauvegarde manuelle plutôt que de compter sur la sauvegarde parce que ça a crash. Alors, on va mettre rail. On a ça. Hop, hop, hop. Le quai, on le met. Son petit, hein, mais bon. On va mettre ça ici. Zone d'attente. C'est marrant parce qu'on voit vraiment la différence d'époque entre les deux. Là, il me faut du 60, je pense. C'est un peu trop. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Si on checkait un peu d'ailleurs les vitesses. Ok, il fait du 100 jusque là, puis du 60 à partir de là. Le 60, on va le mettre à partir d'ici. Et celui-là, on va mettre du 100. À part jusque. Jusqu'ici. Traverse et compagnie plus tard, c'est pas grave. On va chercher ce qui reste qui serait un petit peu trop collé aux autres. Là, c'est bon. Il fait la boucle. Bon, il est ok. Il est ok. Il me faut juste des signaux. On va mettre des signaux comme ça. Signaux automatiques, oui, on va les mettre à 600 mètres cette fois par contre. Et on va les mettre à partir d'ici. Voilà. Ah zut. Zut, j'ai oublié ici. Rail. 130. Caténaire. Là, et je vais aller jusque là. Signaux. Supprimer un. Le remettre. Un signal dans le tunnel, c'est à dégager. Signal là, on en met un là, normalement ça va être ok. Voilà, on est bon. Ça a l'air même très bon. Et on va donc créer la nouvelle ligne. Enfin non, en fait on va modifier. Qu'est-ce que je suis bête là? C'est... Non 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 non. Voilà, c'est lycéen. Donc on a l'histoire de Kremlin-Bicêtre. Voilà. Et à partir du Kremlin-Bicêtre, en fait, il faut changer le rail à un endroit. Donc ce sera Express 1. Je les renommerai, bien sûr. Je changerai les noms, c'est pas un souci.
En revanche, ce qui va changer, c'est... déjà, on va mettre les nouveaux trains. Je check le timer, vite fait. Ah oui, en même temps, faire un épisode d'une heure chaque fois, c'est pas spécialement ce qu'il y a de mieux. Mais, est-ce que je regarde pour alimenter du pain, quand même? Enfin, pour le pain, est-ce que je regarde... Si je regardais où je le distribue, quel serait le plus intéressant? Le Kremlin Bicêtre, il en a besoin. Il a besoin de quelque chose, on peut amener des outils. Histoire, je sais pas si j'ai vraiment d'intérêt. Il y a Châteauroux. Châtenay-Malabry n'a pas encore d'expansion via... Oh, excusez-moi, je vais moucher. Voilà. Châtenay-Malabry n'a pas encore d'expansion via des marchandises. Ce serait peut-être une bonne idée. Le tout, c'est de voir où mettre la gare de fret. J'ai une petite idée. En plus, le chemin serait pas super long. On peut le faire passer par là. On peut faire passer le train par là. Avec un truc qui va pas spécialement très vite, genre 80 à l'heure, ça serait bien. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Et on pourrait mettre la gare sur les hauteurs. Gare de fret terminale. Pas de caténaire. Un seul rail pour l'instant, on la changera avec le temps. Bien. La mettre où idéalement je peux la mettre ici hein, par exemple, ou alors je la mets carrément là vers l'entrée. Ce qui est chiant, c'est que le terrain n'est pas plat, et du coup c'est un peu gênant pour certains détails. Ah, ici c'est bon, on adopte. On va mettre les rues pour être tranquille déjà. Non, il me faut d'abord bâtiment, fret. Il me faut ceci. J'ai besoin que d'un. On va le faire assez. Non, j'ai besoin de plusieurs. Mais pour l'instant, on va en mettre qu'un de toute façon. Alors, on va mettre ça là. On s'occupe des rues. Non. Bah, il y a celle-là, mais non. Mais. Non, on va prendre celle-ci. Le tout, ça va juste être de relier comme ceci, voilà. On relie comme ça, et il me faut un dépôt pour la bouffe. Le dépôt, on peut le mettre. On peut mettre le dépôt là. Oui, si. Ici, ça peut être bien. Oula. On va le mettre là. On va faire la ligne. Comme ça, elle sera faite. Et il fait le tour du quartier, comme ça, c'est bien. Donc, c'est le pain Châtenay Malabry. Pourquoi je mets Châtenay avec un EY, moi? Donc ça, il est bon. Maintenant, le tout, ça va être de ramener en train jusque-là. Je vous demande juste un instant. Bien.
On est d'accord qu'il y a un rail qui n'est pas utilisé ici. Oui, celui-là. Donc, on va faire. Excusez-moi, un train de transport ici. Alors, je pense qu'un électrique serait bien, parce que vapeur. Quoique, vapeur, il y a quoi? Non, électrique. Plus efficace, plus intéressant aussi parce que au moins le transport se fera plus rapidement et on en a besoin vu que, bah, comment dire, ce sont des denrées périssables. Du coup, une qui fait du 80, on peut mettre ça, tiens, on peut mettre des locaux italiennes si on veut. Ou alors celle-ci? Alors c'est toujours pas, c'est pas la couleur de celle que j'ai. J'en ai une en orange comme ça. Ça peut être sympa. Ou alors je mets bel et bien juste l'italienne. Il y a quoi de dit dessus? La version 1930, pas de schéma. Celles-ci font du 80 aussi et elles sont efficaces. On verra bien, mais on va l'électrifier du coup. Ça, ce sera une ligne électrifiée. Donc, électricité. Ici et les rails du 80, on a dit 80 en bois comme ceci, caténaire, oui. Et on va faire carrément un mini viaduc pour aller jusque là-bas. Oula, oula, oula. Alors attendez. Voilà, comme ceci, voie parallèle, oui. Et c'est maintenant qu'on commence à traficoter ça. Bien, un pont comme ceci. Et pont en métal, non, en pierre, oui, j'aime beaucoup les ponts en pierre. Je crois que ça s'est vu. Alors, j'ai quoi? Oh, je peux mettre un comme ça. Comme ça, c'est chouette. Ça, c'est bon. Je vote pour. Alors, j'ai des. C'est pas le moment de faire des frises là, le jeu. Il y a peut-être eu des mages, hein. C'est mieux optimiser tout ça. Hein. Ben. Ça reste quand même parfois un petit peu laborieux. Maintenant, avec le nombre de modes que j'ai, je peux comprendre aussi que les modes doivent jouer. Voilà. Et là, le but pour moi. Ça va être de suivre ceci. Parce que de toute façon, l'argent arrivera, donc c'est pas un souci. Là, ce que je veux, c'est que ce soit une belle ligne. Va prendre un comme ça. On va également faire gaffe ici. Voilà, on remet en parallèle. Alors, le but ici, est-ce que je passe ici au milieu? Ce serait mieux peut-être que de passer là au bout. Vous pensez quoi? Pas grand-chose, je sais. Non, on va le faire passer au milieu ici, ça me semble très chouette. Ça me semble mieux parce qu'alors. Voilà. Comme ça. On est sur les hauteurs et on va descendre tout doucement. On va désactiver les parallèles, ça. Hop. Et on les réactive. Donc ici le but ça va être de redescendre. On va d'abord aller voir par ici comment on peut le goupiller.
J'ai une petite idée. Alors, c'est marrant parce qu'elle est en contrebas. Enfin, en contrebas, on se comprend. Voilà. On va essayer de le faire comme ceci. Et donc on peut le faire descendre avec par exemple ceci. Ce qui va limiter la ville un petit peu. Voilà. Le tout étant juste de voir... voilà, comme ceci sera très bien. Comme ça. Comme ça. Comme ça, voilà. On peut repasser en parallèle. Sauf qu'il y a une route ici qui sert à... que dalle. Donc ça, on peut la dégager. Sert à que dalle. Donc là on est bon. Le tout ça va juste être d'arriver jusque là. Donc là on l'a fait légèrement monter. Essayer de la faire passer comme ceci. Ah, ça va pas. On va reprendre ici pour voir comment on peut goupiller. Déjà, on va voir les altitudes. Donc, ici, on serait à 165 et là, on est à 50. Il y a une sacrée différence, oui. Il y a une sacrée différence. Donc, ici, on va simplement continuer comme ça. Voilà. Et on va commencer à descendre ici. Et on va garder... Ah non, c'est ignoble, j'arrive pas à avoir une vision globale correcte. Et le problème là, c'est que je suis en train de m'énerver, je suis en train de... Voilà. Faut descendre, hein. Descend au maximum. Idéalement, faudrait réussir à... Ouais, non, ça va être... Ouais, ça va être coton. C'est une pente douce, c'est pour ça. Si je l'avais fait en pente plus sèche, ce serait plus facile, je pense. Parce que là, la pente est beaucoup trop douce. Ce qui fait que si je le diminue un peu plus... pour le diminuer un peu plus fort à partir d'ici. Alors remarquez, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Il y a peut-être moyen. Essayer.
Voilà, c'est ça. On va essayer de le faire comme ça. Je dis bien essayer. On va prendre de nouveau celui-ci, comme ça on reste raccord avec tout ce qu'il y a eu avant. Là, le but, c'est juste d'arriver ici. Donc ça, on peut le dégager. Parce que le but, ça va être de réussir à se recoller. En passant à travers. Heureusement que j'ai 115 502, hein, parce qu'en fait, je viens de réaliser... Ah oui, mais attends, mec... T'as oublié? T'es pas argent illimité? Arrête de faire des conneries! Voilà, et là, par contre, ça va pas, donc... Voilà. Ça ici, ça, on peut mettre ceci. Pour justement qu'il y ait une forme de coupure comme ça. Et donc la pente sera trop inclinée. On va donc devoir remonter par là. J'étais à 35 minutes quand j'ai dit oh l'épisode est court, et maintenant je sais pas combien je suis, mais à mon avis, il y a eu une petite rallonge. Voilà, il y aura deux tunnels. Enfin non, il n'y en aura qu'un, mais on se comprend. Ah merde! Oh, coco, avoir un tunnel qui a une sortie différente. Ah non, il y a bien deux tunnels. Oh non, comme ça, c'est pour un peu varier. Pourquoi pas? Et là, normalement, c'est ok. Il faut juste que je relie ici. Ah là. Et ça se fait tout seul. Donc c'est parfait, on va laisser, on va mettre le dernier comme ceci. Et on relie ça. Comme ça. Voilà. Voilà. C'est propre. Maintenant on va mettre les signaux. Et on va mettre les signaux. Standard, sens unique, oui. Et on va mettre une distance de 800 mètres, allez. Pourquoi j'ai mis sur la droite? C'est pas à droite qu'il faut que je mette. C'est à gauche. Voilà. Tchac, 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 tchac. Bien sûr, un ici, pour finir, et on met un là, on vérifie, et on va mettre en place les nouveaux trains. Comme ça, ce sera bon. Ce sera bon. Faut juste que je vérifie. Est-ce qu'il y a de l'électricité jusque-là? Oui. Bien. On fait la sauvegarde. Et on va mettre en place les nouveaux véhicules. On va être sur play également, bien sûr. On va faire une chose à la fois. On va commencer par celui-ci. On va pas en mettre 36 000, hein. Donc on va prendre... alors, j'ai le choix, j'ai celle-ci. C'est la même chose, en fait, c'est la même. 850, 105... Ce sont les mêmes, mais celles que j'avais... Ah, power off, d'accord, ok. Le truc, c'est que celle que j'avais n'avait pas les machins sur le côté comme ça. Du coup, je me tâte. Est-ce que je mettrais vraiment pas plutôt ça? Qui a presque la même puissance, hein, donc...
Si, c'est plus raccord, je préfère. En vert. Oh! Ouais, d'accord, mais c'est la différence est là. Une bonne puissance de traction. On va en mettre une. Et marchandises, c'est pour du pain. Pourrait mettre des wagons américains, mais c'est un petit peu trop gros. Je veux des. Il y a des boxcars, il me semble, qui ont été débloqués. Voilà, ceux-là, ils seraient bien. Avec un wagon couvert à la fin. Non, je ne peux pas mettre de wagon couvert comme ça, c'est trop lent. On a que ça, on a ceci, troll. Ah, ceci, 80. Mais un peu trop ancien. Ceci, c'est du 65 aussi. Voilà, ils sont là. 65, 90, c'est bien. 65. Non, celui-là avec qui font du 90 à brick, donc on peut le mettre en bout de train celui-là. Donc on va mettre ça. Alors, attention, la quantité. Merde. Je suis en train de m'emmêler les pinceaux, donc on prend ça. On prend ceci. On va essayer de faire aller jusqu'à 100, peut-être? Non, on va faire un. Ce sont des petits trains. On va pas faire un gros truc. Ouais, 65, c'est beaucoup trop long. Ah, 58, c'est bien, hein? Allez, on va en mettre 3. Le son. Attendez, y a un souci. Quel est le souci? Toutes les stations n'ont pas pu être connectées. Donc là, on va check l'électricité. J'ai peut-être oublié d'électrifier la dernière. Voilà. Elle est bonne, elle est ok là. Qu'elle m'emmerde là. C'est électrifié. Commence par me faire chier. Alors, on est d'accord que là, par contre. Ah! Voilà. Voilà, donc on a un petit train comme ça. On va en avoir plusieurs sur la ligne. Ça va être bien. On est bien raccordé en stock. Il n'a pas encore fait de pain. Il va en faire. Ça ira. Maintenant, on va s'occuper des omnibus et de l'express. Alors, omnibus. Lycée, il n'y en a pas encore un seul demi dessus. L'intérêt. Ouais, ça va, je peux le mettre. Je peux le faire aller par là. Mais. Bah non, on va pas se casser la tête. Tchac. On va prendre du 30, caténaire, oui. Voilà, je m'en fous de rajouter un bâtiment. Je suis bourré de thunes. Caténaire, oui. La voie double, j'en ai pas besoin. On est bon. Alors, un électrique qui fait du sang. Donc j'avais dit qu'on allait prendre. Alors, on a la E47. Voilà, 04. Celle-ci, c'est du 90. Donc ça, ce sera l'omnibus. Donc on va prendre la E47. Oh! Oh! Oh, on
on a du nouveau. On est en 39, c'est vrai. LNER, 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 105. La E6 suite. Ah, on peut mettre la E6 suite. On a celle-là pour le transport de fret, ça 105. C'est sympa. Bon, ça, c'est toutes les variantes. Des wagons, wagons. LNER, LNER. Ok. Du coup, je me dis, est-ce que je mets celle-là ou est-ce que je mets la grosse? Non, l'autre, est, c'est peut-être un peu gros hein, quand même, ça. Sans compter que ça coûte cher. Hein. J'ai envie que ça rapporte, j'ai pas envie d'être avec un déficit à la con. Donc on va mettre la 4-7. Wagon passager... Enfin, voiture passager, pardon. Est-ce qu'on mettrait pas... Alors 125, bof, 120, 120, 150... Ceci c'est du 120 aussi, on peut mettre ça si on veut. Ça serait plus pour un express, je trouve. Il y a ceci, j'en ai quelques-uns. Ouais, non, on va prendre ça pour Nice. Ceux-là ils sont sympas. On va juste pas tous pas mettre tous les wagons. Hein. Quoique. Ah, je me tâte vraiment. Hein. Parce que ceci me branche pas mal, mais. Bah non, allez, du tout. C'est un IC. Donc on a 4U23, version DRG. Il y a quoi comme diff entre les deux? Bon, on va mettre un comme ça. Comme ça. On peut mettre un Mitropa, mais bof. Donc on va plutôt mettre un B4U et ceci pour boucler. On va en mettre 4 en fonction. Ah, ça y est, il y a de nouveau un. Qu'est-ce qui va pas? Toutes les stations n'ont pas pu être connectées, c'est toujours pareil. On va mettre sur pause. Alors on est d'accord que là, ça passe. Ça passe. Ah, c'est peut-être à partir d'ici. Non. Non, là on est ok. Ah, peut-être que la gare est pas électrifiée, j'ai oublié de la... Ah non, elle est ok. Elle est ok, du coup je vois pas le souci. Donc ça on est ok. Toutes les stations n'ont pas pu être connectées. Au nom de quoi? Ah, parce que là, on est d'accord, l'électrification, elle est sur toute la ligne. Je suis pas encore totalement con. Quoique... Jusqu'ici c'est ok. Et quel est le souci alors? Quel est le fucking problème? Oh nom d'un chien! Oh! Non mais vous avez vu la taille du truc? Si vous dites que c'est pas ça, par contre, je comprends pas. Voilà. Oh, il est beau le train comme ça. Ça
c'est bien. Alors. Non, je vais laisser. Je vais me mettre en 1,5. Parce que là, je vais un peu accélérer le temps. Et on va aussi aller mettre en place. Celle-ci. Alors, l'exposition, par contre, il n'y a rien qui se fait pour l'instant. Ça veut dire. Ouais, c'est parce qu'elle est toujours pas. Elle est toujours pas. C'est où que ça va bloquer? Il va falloir suivre le train pour voir jusqu'où. Enfin, où est-ce que ça va bloquer? Oh, il est pas laid comme ça. Hein. Transport 43 passagers. Que ça bloque. Parce que là, c'est chelou, ça. Fais attention, c'est au Kremlin-Bicêtre que ça va être bloqué. Mais au moins comme ça, je saurai à partir d'où je dois farfouiller. Ça va tellement être la rasée des quartiers entiers sur ce truc. Avec le pont en plus qui est pas assez haut pour les caténaires. Fait un arrêt ici, ouais. Ou alors c'est dans l'autre sens au retour qu'il y a un souci. Je suis vraiment en train de regarder. Où est l'industrie trouvée? Ah. D'accord que jusqu'à présent, là, ça tourne tout seul sans problème. Du coup, quel est le souci? Quel est le putain de souci? C'est quand même bien, la ligne est plutôt propre. Ok, donc t'arrives là. Tu repars. Wait a minute. C'est moi qui ai géré, je pensais qu'il était arrivé sur le qu'il était parti sur le mauvais côté. Donc là on est bon. Pour une fois je coupe pas ça en montage, je me dis c'est une occasion, comme ça vous pouvez voir, c'est parfois ce que je me casse le cul. Essayer de trouver ce qui cloche. Ou alors c'est l'affichage qui est foireux, hein, attention. Parce que comme c'est là, je vois pas ce qui bloque.
Ouais, on est d'accord que jusque l'aller, tout va bien. Je viens de voir mon compte, j'ai plus que 42 millions. Holy schnapps. Je vais peut-être devoir tricher. Bon, je mets le truc en pause pour avoir 1940. On a du nouveau. Oups. Oh, on a du gros FS, parfait. Des wagons gondoles. Parfait aussi, très intéressant. Eh bien, on pourra moderniser comme ça. C'est à partir d'ici que ça foire. Aucun chemin électrique. Donc il y a une coupure sur la bande de gauche. Mais où? Ouf, où y a-t-il une coupure? Jusqu'ici tout va bien. Est-ce qu'il y en a une? Alors là! Wouah! Voilà, oh là, où est-ce qu'il y en a une? Non, ça change rien. Ok, ça je vais le faire off-cam. Parce que s'il faut vraiment éplucher, je le ferai off-cam. Par contre, est-ce que j'ai assez pour mettre en place... Comme je vais leur tricher, est-ce que j'ai assez pour mettre en place mon... Enfin, pour remplacer... Et mettre les... L'express. Ils sont que deux. On va éditer. Non, attendez. On va les remplacer. Donc, vapeur, j'avais dit 130. Flying Scotsman, c'est 120. Donc, 130. De toute façon, ça va être. On va mettre la flèche du nord. Est-ce que j'ai pas des trains complets? Je peux mettre l'oiseau bleu. J'ai plutôt pas l'air en plus. Ce serait chouette. Oula, un peu gros celui-là quand même. L'oiseau bleu serait bien. 61 de capacité, 120. Ah, 120. Ah. Ils vont. Bah, si, ils peuvent aller à 130. Qu'est-ce qui me fait chier du coup? Ah, oui, mais c'est parce que c'est plus les mêmes. Parce que c'est plus les mêmes, ce sont les anciens qui faisaient du 120. D'accord, ben on va faire le nouveau, donc on va faire un nouveau. Alors l'oiseau bleu, juste pour voir, donc il a deux fourgons, quatre voitures. On va en faire un comme ça. On va mettre la loco couleur chocolat d'ailleurs, je la trouve très jolie. Le 131C Nord. Et on va prendre... Alors on a le choix entre Cécile Coach ou Foucon Orient Express. Entre les deux, c'est kiff kiff, donc on va faire ça. On va prendre un. Ah ouais, c'est parce que le Style Coach, il y a cette couleur là en plus. Il y a la couleur crème. Ah, c'est gênant parce que je les aime bien. Ah oui, c'est en des Pullman. 10-14. 14, 20, 12.
Ouais, non, d'accord. On va le mettre en mode Orient Express, on va le mettre avec des wagons bleus. Ce serait bien. Est-ce qu'il y a une voiture lit? Voiture lit. Voiture restaurant. Voiture salon bar. En fait, il y a que des voitures lit sur ces conneries. Ou alors je le fais avec le standard. C'est peut-être mieux. Ouais, je vais le faire avec le standard. Un fourgon 6 portes, c'est bien. On a le Sipinko première classe, seconde classe. Alors, si je pouvais avoir l'info, est-ce qu'on peut avoir l'info si c'est d'une première classe ou pas? Non, c'est que des Sipinko ça. Si je veux un bleu, ce sera du... Oui, bleu, c'est Sipping Coach, sinon c'est du salon. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, moi, pour le coup, on va mettre une première classe. Est-ce qu'il y a un... Oui, il y a un comme ça, un restaurant. On va en mettre un comme ça. Oh, mais attendez, voilà, Pullman Restaurant. Pullman restaurant, il n'y a pas de wagon bar. Restaurant, sleeping coach. Salon, voilà. Un salon. Une seconde classe. Transport 51, ça me va. On va être un gros fourgon au bout. Un Wiport. Et là, on espère que le jeu va pas planter parce que sinon, c'est le pire. Ce serait le pire. C'est bon. Ce serait l'horreur. Et on va se quitter sous peu parce que ça me scie. Donc, il y a un truc qui est pas électrifié. Je vois pas où, hein. Parce que. Enfin, bref, je vais aller voir. Je vais aller voir. Et donc, on va juste jeter un œil. Notre express. Oh, il est beau. Ah, il est beau comme ça. Il est très beau, mais j'ai assez duré comme ça. Voilà, je viens de rallonger le truc. On va. Je vais juste pour placer. Il y a une électrique qui arrive. Ouais, donc on va attendre. Et ici, le pain, ça tombe comment? Ah, pas ouf, hein. Pas ouf, pas ouf. Maintenant, faut le temps que ça amène chaque fois, il faut le... Voilà, je savais que j'oubliais un truc. Mieux s'il y a une desserte aussi des marchandises. Ça ressemble à quoi d'ailleurs les camions Opel maintenant que c'est refait? Oh, ils sont beaux. Ils ont bien refait le... Bon, allez, on va s'arrêter là-dessus parce que maintenant je vais passer un temps fou essayer de trouver où se trouve le souci électrique. Je vois vraiment pas où c'est. C'est juste incroyable. Je comprends pas. Enfin bref, je vais farfouiller, voilà, allez. Donc la prochaine fois, il n'y a toujours pas la loco que je veux, mais prochain épisode, à mon avis, ce sera tout simplement modernisation de tout le matériel roulant, un petit peu. Et il est possible que je réfléchisse justement entre temps avant la vidéo, comment agencer d'autres lignes et donc refaire certains tronçons. C'est possible, je garantis rien. Il faudra que je refasse des gares aussi, mais c'est pas pour tout de suite. Allez, c'est là-dessus qu'on se quitte, voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao !